Tu viens chercher quoi aujourd'hui? Tu viens chercher quoi, Martial? Tu viens chercher quoi? Des œufs. Et papa, il vient chercher quoi? Il accompagne mes filles. Alors Michel, tu fais quoi ici ce matin? Bah écoute, ce matin, je suis d'abord venu voir si les fleurs commençaient à pousser, mais avec la froideur de la nuit, ça n'a pas poussé. Mais par contre, il y a des œufs qui ont poussé un petit peu partout. C'est vrai que nous sommes le dimanche de Pâques, et ce matin, l'affluence qu'on peut voir qui commence à arriver autour de notre plan d'eau, au parc Robert Pignard, eh bien, et le fait que les enfants sont toujours... fervent de ces recherches du chocolat. On aime le chocolat, mais il n'y a pas que... Je remarque qu'il n'y a pas que des enfants. Je pense que les parents vont aussi chercher quelques chocolats, vu la gourmandise qui peut se voir sur les yeux des parents. Donc, on va leur souhaiter une bonne chasse. La chasse commence dans exactement un quart d'heure, mais une grosse affluence déjà. Et on va leur souhaiter eh bien, une bonne chasse et une bonne récolte de chocolat. Là, on prend pas la gamelle, maintenant. Vous préparez de bon, là, ensemble? Bonjour. Bonjour. Eh bien, on attend le retour des cloches pour avoir des petits œufs et on va distribuer du chocolat chaud et un petit peu de vin chaud. Et vous faites quoi là? Là on est en train de préparer le vin chaud et le chocolat pour les enfants. Et le vin chaud c'est bon, on va dire pour les grandes personnes. Et du café. Et le café. J'ai mis la vanille, il me manque la cannelle. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, une petite minute d'attention. Nous sommes là ce matin pour les enfants, pour la traditionnelle chasse aux œufs du jour de Pâques. Alors, il y a deux secteurs, s'il vous plaît, il y a deux secteurs pour les enfants. Les petits, c'est-à-dire jusque 5 ans, ça sera en face, sous les sapins, où il y a une partie qui leur est exclusivement réservée. Je ne veux pas voir de grands, que des petits. En ce qui concerne les autres, c'est dispersé un petit peu partout. Vous ne vous approchez pas quand même du plan d'eau. À l'issue de la chasse aux œufs, vous pourrez revenir tous ensemble pour prendre auprès de la cabane, là-bas, on s'est mis à l'abri du vent, soit du vin chaud, soit un chocolat chaud, des petits gâteaux, etc. Donc attention au départ, je donne le départ dans 20 secondes. Attention, doucement. Allez, feu à volonté, parce que c'est déjà parti. À tout à l'heure, bonne chasse. C'est parti. Regarde là, franchement. Vas-y. Regarde, on en laisse un peu pour les autres. Oui, maman. C'est la copine. Regarde, il y en a. Laisse-en la copine. Prends. Prends-en. 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 Bravo. Ouais, c'est bien. Bravo. Bravo. Tu as trouvé des œufs? Oui, ouais. Il y en a là. Tu en avais trouvé? Madame, elle peut te poser des questions et tu lui réponds pour le pack. C'était bon, le sais. Oui. Le souris, c'est déjà bien. Merci, non. Et Raphaël, il part. Oui, pas de problème. Bonjour à tous, une nouvelle journée où les gens ont l'air d'être satisfaits, également les enfants. Nous avons organisé un petit chocolat chaud pour cette année, un vin chaud. Et ça me semble une manifestation réussie. Et notre devoir est d'être auprès des citoyens de Sainte-Croix et nous faisons un maximum pour que les enfants, les grands soient heureux. Et aujourd'hui, c'est encore un jour de fête. Attends, c'est pas parti. Alors la chasse était bonne? Ah super.